Bonjour. Bonjour et bienvenue à Nice Fiction, notre sixième édition virtuelle cette année. Nous allons reprendre une table ronde qui avait commencé déjà il y a vendredi, quand on a lancé le festival, mais cette table est enrichie de deux nouveaux auteurs qui viennent d'horizons un peu différents. Donc la thématique en était la science-fiction et la nature, le rôle de la nature. Les derniers débats avaient quand même eu une coloration assez politique et dans le bon sens du terme, et puis écologique. Là, on va soit on continue selon ce que vous aurez, les questions et votre réflexion vous apporteront sur la nature, mais on va sortir de la Terre, on va quitter la Terre et on va aller vers les nouveaux espaces que nous ouvrent les sciences et puis la littérature plus générale. On parlera aussi, puisque nous avons des auteurs qui sont aussi des écrivains de fantastique et de fantasy, et on sait que dans ces deux autres genres de l'imaginaire, la nature est très présente, très très présente, surtout dans bien sûr dans la fantasy, et le fantastique aussi, mais je pense que les auteurs nous en parleront aussi, parce que c'est un aspect qui peut être très intéressant, cette nature qui devient habitée finalement. Je vais vite vous présenter pour qu'on ait une idée de ce que vous faites très rapidement, et bien sûr quand vous prendrez la parole, je vous encourage à préciser ce que vous faites si vous le voulez, ou ce que vous parlez de ce que vous avez écrit. Donc je vais commencer par Stéphane Croen. C'est bien comme ça qu'on dit, Croen? Oui, c'est ça. Merci. Oui, c'est bien. Vous êtes professeur en philosophie, nouvelliste. Voilà. Vous êtes co-auteur d'un blog. Vous m'arrêtez? Oui, je fais des chroniques sur un blog consacré à l'imaginaire, Le Troll, l'Ombre et le Robot. Ouais. Pas tout seul, je fais ça avec Guillaume Lequien. Voilà, j'enseigne la philosophie, effectivement, et puis j'écris, je publie des nouvelles depuis quelques années. J'ai gagné le prix Ronnie Aîné l'année dernière pour une nouvelle de science-fiction, justement. Voilà, je suis ravi d'être ici. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Merci d'être venu. Puis par contre, il y a quelque chose dont on n'avait pas parlé, c'est que vous êtes directeur d'un laboratoire d'écriture auprès de lycéens. Auprès des élèves. Alors d'écriture fantastique, c'est vrai, plus que de science-fiction, c'est aussi pour me faire plaisir, c'est-à-dire j'essaie de conjuguer à la fois la philosophie et l'imaginaire, et puis ça marche plutôt bien auprès des élèves. Alors plus le fantastique, parce que les questions de hantise, de fantômes, de choses comme ça, c'est plutôt propice à aller vers Freud, de la psychanalyse, avec des élèves de séries littéraires, enfin feu les séries littéraires. Mais j'anime aussi un laboratoire d'écriture auprès des lycéens, avec grand plaisir. Et vous êtes où? Parce que là, on est tous sur les ondes. Ouais, à Lille. Je suis loin. Vous êtes Lille, loin. Oui, c'est ouais. L'autre mer. C'est la mer de l'autre côté de la France. Oui. Benjamin Lupu. C'est Lupu. Donc. Vous êtes formation historienne. Vous êtes en archéologie aussi. Et vous êtes intéressé aussi par la technologie. Vous avez écrit une série de fantasy qui s'appelle Mystère de Kyoche en 10 épisodes que je découvre. Donc, je sais que j'aurai de la lecture en sortant de cet atelier. Et vous avez travaillé sur une anthologie sur le Paris des merveilles qui est sortie chez Bragelonne dernièrement. Donc, Yannick Rumpala. Donc vous êtes, enfin on se connaît parce qu'on est dans la même faculté de droit à Nice. Et Yannick, donc tu es maître de conférence en sciences politiques et très bien sûr tu travailles beaucoup sur la science-fiction comme outil de réflexion sur l'avenir du monde. Un des livres les plus importants qui soit sorti dernièrement, c'était Hors des décombres du monde, donc qui est parti. Et c'est chez Champ Vallon.
Donc, je ne sais pas si tu es dans un laboratoire qui s'appelle Hermès. Donc, L'équipe de recherche sur les mutations de l'Europe et de cette société, qui mélange des politistes, des historiens du droit, notamment, et qui travaille sur les thématiques européennes au sens très très large. On pourra en rediscuter après. Audrey Salles. Donc Audrey Salles est aussi dans l'enseignement, mais où est-ce que vous êtes, Audrey? Vous Ah, enseignez moi, où? alors en fait, en théorie, je suis enseignante stagiaire de lettres classiques, mais en pratique, je cherche à me réorienter. Donc pour l'instant, c'est plutôt une réorientation vers la recherche, avec un sujet très nature d'ailleurs, justement, puisque je voudrais travailler sur la sensibilité et l'intelligence animale dans les textes latins. Donc, c'est un autre imaginaire aussi, Voilà, un un autre imaginaire. imaginaire. Et avant, j'ai fait mon mémoire de recherche sur la littérature fantastique gréco-latine. Oui, j'ai vu qu'il y a eu un prix, l'Iriade, en 2016. Donc, ça devait être un très beau travail. Je ne sais pas si vous voulez vous échanger entre vous sur les. Ou si on commence directement et puis on. Il faudrait que vous sentiez libre de me couper la parole et d'intervenir. C'est vous qui êtes important là. Donc, je ne voudrais pas trop parler. Donc, on avait dit qu'on était parti sur une idée de en quoi la science-fiction peut aider à repenser finalement le monde et la nature. La nature étant pour nous quelque chose qui correspond à notre planète. Et je me demandais si en science-fiction, l'idée de penser la nature n'est pas aussi. Enfin, je dirais qu'il y a deux cercles. Le premier, c'est un cercle qui est quand même assez gigantesque, c'est notre système solaire. Même s'il paraît petit dans les livres dans les sagas de l'espèce opéra. Et après, ce qu'on peut imaginer qui apparaît maintenant avec eh ben, toutes ces exoplanètes qu'on découvre, qui ne sont que des petits signaux, mais dont déjà on imagine des paysages naturels qui rejoignent finalement quelque part le space opéra. Donc voilà, je ne sais pas si l'un de vous peut commencer. Audrey? Non? Je vais essayer. Enfin, c'est vrai que quand on parle de nature, c'est pour ça que ton introduction était très intéressante. Quand on parle de nature, on pense plutôt à la planète terrestre, on pense plutôt à la planète Terre, mais l'échelle. Problème de Autant qu'on la son. conçoit à l'échelle de l'univers, tout à fait terrestre, peut être écarté. Et je pensais, quand je t'écoutais à la fameuse trilogie martienne de Kim Stanley Robinson, où effectivement l'action se situe sur Mars, mais c'est pas pour autant que des problématiques terrestres ne sont pas transposables là-bas. Typiquement, est-ce que l'humain a le droit de modifier complètement un écosystème? Encore que pour Marx, ce n'est pas tout à fait un écosystème, mais de quel droit des humains vont s'arroger le droit de transformer un environnement qui n'est pas l'environnement terrestre? Et après tout, c'est la même question qu'on peut poser à quelqu'un comme Elon Musk, hein, puisque son projet, c'est de transporter une partie de l'humanité vers Mars. Et la question éthique qu'on peut lui poser, c'est mais de quel droit on va amener des humains pour transformer une planète qui n'avait finalement rien demandé avant que les humains n'y arrivent? Ce qui a été peuplé de Martiens, comme tout le monde le sait. Ils ont été bien tranquilles avant que les humains se mettent à la coloniser. Oui, alors excusez-moi, c'est parce qu'il y a eu une grosse coupure pendant la question et du coup entendu. Donc maintenant je resitue un peu mieux. Et je veux bien rebondir, oui, sur ce que dit Yannick à propos de la terraformation. Parce qu'au final, j'avais lu une nouvelle de Émilie Chevalier-Moreux dans l'anthologie Not in Mars aux éditions Nautiship, qui parlait justement de ce procédé de terraformation, c'est-à-dire on envoie des équipes pour
reformer, enfin, ils s'appellent entre eux les casseurs de cailloux, plus vulgairement, puisque c'est vraiment leur travail de terrassement pour adapter l'environnement. Et au final, dans cette nouvelle, ce qui est très intéressant, c'est le renversement. C'est-à-dire, à force de terraformer des planètes, on ne sait même plus sur quelle planète on se trouve. Et donc, on a un narrateur qui se sent un peu en exil, c'est un de ces fameux casseurs de cailloux, et qui écrit à sa mère en lui disant qu'il est vraiment désolé d'être parti de sa planète natale et qu'il n'a qu'une envie, c'est d'y revenir. Et au départ, on croit que comme ils ont terraformé une planète, ben il veut repartir sur la Terre. Et en fait, c'est pas si évident que ça. Et on ne sait plus trop où il est. Donc, je ne veux pas non plus trop en dire pour ne pas spoiler, mais c'était cette inversion. C'est-à-dire, on a terraformé une planète et on ne sait plus, en fait, sur quelle planète on se trouve, ni par rapport à laquelle il veut revenir de son exil. Benjamin, non ? Non, Stéphane. Oui, tout ça, c'est juste. Alors, comment la SF peut nous aider à penser la nature ? Oui, c'est vrai, la question de la terraformation. Oui, coloniser d'autres planètes pour faire en sorte, finalement, qu'elles ressemblent à celle-ci. D'ailleurs, je ne sais pas si c'est une si bonne nouvelle que ça, puisque finalement, quand on y pense, on n'arrive pas déjà très bien à terraformer la Terre, puisque le système ne semble pas tenable. Donc, c'est compliqué. On dirait que la science-fiction, c'est vraiment le genre de l'homo faber, c'est-à-dire qu'on est quand même dans une logique. Peut-être qu'il faudrait commencer par définir, enfin, des formations professionnelles, mais définir la nature déjà. Et on sait que la nature n'est plus humain et qui est en face de nous. Et au fond, la grande question, alors c'est Prométhée et Descartes mélangés, quoi, mais c'est il faut essayer de mettre au point les bons outils pour pouvoir la domestiquer, la maîtriser. Ou est-ce que la nature, elle nous comprend aussi? Est-ce qu'il faut nous intégrer, nous, à cette nature, nous repenser comme faisant partie de la nature? Et là, ça change pas mal de choses. Alors, souvent, la science-fiction, mais je ne suis pas un spécialiste, je suis un amateur, mais bon, récemment, je pense à ce que j'ai lu, hein, Anna Starobinets, par exemple, que j'aime beaucoup, hein, mais on reste dans le paradigme de l'homo faber, c'est-à-dire que l'être humain est face à la nature et comment on va s'y prendre, quoi. Comment on va s'y prendre pour maîtriser ça, contrôler ça, d'ailleurs pour le pire parfois, puisque Anna Starobinets, c'est quand même plutôt des dystopies. Voilà, donc oui, c'est assez compliqué la science-fiction. Ça peut nous aider à penser sans doute une autre façon de construire notre rapport à la nature. Mais je ne sais pas. Ce que j'essaie de dire, c'est qu'il serait peut-être intéressant aussi de trouver une science-fiction qui nous envisage comme faisant partie de cette nature. C'est très intéressant ce que vous dites sur l'homo faber, parce qu'il y a ce côté, en fait, hyper contrôle de l'être humain. C'est-à-dire, dès qu'on est face à la nature, il y a comme cette volonté de... il faut absolument la contrôler, lui trouver des règles, alors qu'elle n'en a pas forcément. Et donc, au lieu de s'y intégrer, on s'en sort à tel point que dans beaucoup de textes de science-fiction, elle me demande si on peut encore parler de nature. Parce que l'homme la recrée artificiellement, que ce soit à travers des centres de réalité virtuelle, à travers la robotique. Par exemple, dans Ravage de René Barjavel, il n'y a même plus de culture ni d'élevage, puisqu'il faut pousser de la viande en laboratoire. Donc, est-ce que c'est encore la nature? Les seuls qui sont encore capables de vivre, c'est les quelques paysans qui restent dans les petites enclaves rurales au milieu de la ville électrifiée. Je parlais des robots, je pense au roman Éternel 22 de Yvan Barbedation, Le Grimoire.
dans lequel le personnage principal fait partie d'une communauté où ils sont tous connectés à une intelligence artificielle qui leur prodigue toutes les ressources nécessaires et une sorte de réalité virtuelle et une connexion en réseau. Et à l'âge, avant de passer à l'âge adulte, en fait, ils sont déconnectés de ce réseau. C'est une sorte de passage initiatique. Et lorsqu'il est déconnecté, il découvre que son chat, qu'il adorait, est un robot, en fait. Et il n'arrive plus à faire le lien entre le souvenir de son chat à la fourrure toute chaude et cette espèce de chose métallique qui vient de lui sauter sur les genoux. Donc oui, il y a presque un détachement, une aliénation par rapport à la nature, alors qu'on est censé en faire partie comme dans tout écosystème, en fait. La pandémie. Et en fait, on s'est rendu compte que ce n'est pas tellement la question que la science-fiction ou même le fantastique, pour ma part, ce n'était pas tellement là pour servir de guide absolu ou de pour imposer une idéologie, mais plus pour donner des pistes de réflexion, en fait. Et c'est comme vous dites, avec, c'est le reflet d'inquiétude ou de préoccupation d'une époque. Et le tout, en fait, c'est vraiment de transmettre à travers une histoire, peut-être de façon plus claire que par des théories, des essais scientifiques, ou peut-être de façon à plus toucher profondément le lecteur, puisque il va s'investir dans l'histoire de façon affective, il va s'identifier au personnage, et il y a comme ça beaucoup de théories scientifiques. Enfin, personnellement, je suis plus film de science-fiction que littérature, donc j'ai vu par exemple Le jour d'après, qui est un film catastrophe, et qui, malgré son côté schématique et grand spectacle, véhicule beaucoup de théories climatologiques actuelles qui ont du mal à passer, que ce soit à cause de la controverse climato-sceptique ou même parce que les scientifiques auraient du mal à se faire entendre du grand public. Et donc, la science-fiction, ce sera un outil peut-être pour faire passer des préoccupations, des théories, et pas forcément pour dire c'est réfléchir. Est-ce que c'est pas il commence juste par écrire des choses qui le touchent? Parce que Oui, c'est vraiment, on commence effectivement par l'histoire. Hein. Je pense pas que si on commence par vouloir transmettre un message, c'est comme je disais, on écrit un article ou un essai, en d'accord. fait. Non, on commence, pour ma part en tout cas, quand j'écris, et j'ai l'impression que c'est le cas de beaucoup, même de la plupart des auteurs, on commence quand même d'abord par l'histoire, parce qu'on veut transmettre au niveau des émotions, des personnages, de la situation. Et après, il se trouve que, tout ça mis en œuvre peut faire passer certains messages, mais ça dépend aussi du lecteur, de la façon dont le texte est reçu. Et oui, si le message doit primer dessus, à ce moment-là, plutôt passer par un essai. Pour le coup, moi, parfois, là, en tous les cas, quand j'ai abordé la Déjà. science-fiction, il y avait quand même un thème. J'avais un thème en tête. Alors, évidemment, on est habitué à raconter des histoires avec des personnages qui embarquent un lecteur, etc. Donc, ça finit par avoir une forme de divertissement. Mais il y avait quand même un questionnement. Dans mon cas, là, c'était comment fait-on pour vivre dans les ruines du passé? Et ce thème, alors, c'est vrai que là où ça peut être. Avant, on pouvait écrire des romans où le thème était prééminent sur les personnages étaient des prétextes, etc. Enfin, tous étudiaient ça à l'école. Maintenant, c'est vrai que peut-être même par l'influence de la télévision et des séries, on est obligé d'embarquer les gens avec une histoire, les gens s'attendent à ça. Mais il y a quand même un thème sous-jacent. Vous prenez une série comme aussi divertissante que Person of Interest, qui est finalement une série complètement pop-corn. Elle est intéressante parce qu'elle traite de la surveillance de masse, par exemple.
sous un angle assez très intéressant de montrer que il y a une surveillance informatique de masse, etc. Mais ça, au final, ça raconte qu'il y a des bagarres, c'est divertissant, etc. C'est d'ailleurs un paradoxe, je trouve, aujourd'hui, c'est que on fait passer des thèmes, mais on est obligé quelque part de les présenter d'une certaine manière. Ça passe auprès du public. Et donc toujours, moi, je me demande quel est l'impact. Qu'est-ce que les gens retirent? Est-ce qu'ils en retirent un divertissement? Est-ce qu'ils ont quand même, de manière sous-jacente, dit, tiens, c'est marrant quand même, il y a des caméras partout et le type, il s'en sert tout le temps et ça sert à surveiller, etc. Je trouve ça assez intéressant. Je ne sais pas du tout si les gens, je ne sais pas ce qu'ils reçoivent, en fait. Il faudrait leur demander. Oui, puis on aurait des surprises parce qu'ils ne reçoivent pas forcément ce qu'on leur a, on aura pensé avoir écrit. Ça, c'est vrai, oui. C'est pas prévisible, on est d'accord. Du coup, vous voulez qu'on continue sur la nature ou pas? Parce que je voulais remonter. Pardon, Yannick. Je voulais remonter un petit peu dans la discussion sur les aspects un peu philosophiques. La science-fiction, effectivement, c'est un produit de la modernité. Donc, c'est pas étonnant qu'elle ait intégré la mentalité prométhéenne. Et elle a largement reconduit la vieille séparation entre nature et culture. Et la question et l'enjeu au stade où on est actuellement, c'est effectivement retrouver une forme de rapport éco-symbolique où l'humain ne soit plus au centre des choses, mais soit intégré dans un tout qui le dépasse. Et je trouve que c'est une des grosses difficultés face à laquelle se retrouvent les auteurs, c'est comment... repenser des histoires en cassant cette mentalité prométhéenne et en essayant de dépasser cette espèce de dichotomie entre nature et culture. Et rares sont les auteurs qui arrivent à penser comme un arbre ou à penser comme un écosystème. De Michel Jury. Effectivement, le héros se retrouve face à une espèce de vaste écosystème qui a des comportements qui peuvent faire penser à des humains. Mais c'est, j'imagine, très difficile de mettre ce genre de choses en scène et de donner à voir un autre type de rapport. On peut laisser de côté le terme de nature ou les termes d'environnement qui sont très compliqués, parce que chaque terme véhicule un ensemble de connotations. Mais voilà, penser comme un écosystème ou montrer... un rapport différent à l'écosystème, c'est quelque chose qui est extrêmement, extrêmement difficile. Oui, c'est... juste pour prolonger, donc sur ce que tu viens de dire, je pense à un texte qui n'est pas un texte d'imaginaire, mais c'est Aldo Leopold qui a théorisé l'idée de communauté biotique. Donc cette idée que l'être humain est une espèce parmi les espèces et que ces espèces se comprennent, bon c'est un peu un système de cercles concentriques, se comprennent dans des totalités, dans des communautés. Et c'est vrai que moi ça me paraîtrait un axe intéressant pour la science-fiction, parce qu'encore une fois c'est vrai que l'ASF est vraiment l'expression, bon, comme disait Benjamin tout à l'heure, hein, c'est vraiment l'expression d'une époque. Hein, il y avait l'art pariétal pour l'homme préhistorique, Sophocle pour les Grecs, et aujourd'hui, dans la société où on a Ray Kurzweil, on a l'ASF. Mais ce serait pas mal de trouver dans l'ASF l'équivalent de ce que fait Léopold avec cette idée de communauté biotique, c'est-à-dire réinscrire l'homme dans la nature. Et pas simplement prolonger, après peut-être que c'est impossible, hein, mais bon, peut-être pas simplement prolonger cette, comment dire, les astuces géniales de l'homo faber. Je pense à Ada Palmer par exemple. Là aussi, d'ailleurs, c'est très bien ce qu'elle fait, hein, c'est très très bien, mais bon, on est encore dans ces thématiques de voitures volantes, de conquêtes spatiales, bon, ce que disait Audrey tout à l'heure, hein, la terraformation d'autres planètes. En fait, je m'interroge à voix haute, c'est tout, c'est puisqu'on doit réfléchir sur l'articulation entre nature et science-fiction. Fort modestement, moi, j'ai l'impression qu'en fait, il y a encore plein de choses à faire en SF.
plein de choses. C'est-à-dire que, et c'est, moi j'y arrive pas, hein, c'est pas ce que je fais, enfin, mais essayer de, puisqu'il s'agit vraiment de penser un nouveau rapport à la nature, essayer de penser autrement que comme un ingénieur, quoi. Essayer de penser autre chose. Après, c'est très difficile. Si on écrit un roman ou une nouvelle, il faut qu'il y ait des ressorts dramatiques, il faut qu'il y ait des. Il y a une histoire à raconter. Oui, il faut qu'il y ait une histoire. Exactement. Si, si on fait un bouquin de SF sans subjectivité, où on présente des totalités biotiques et naturelles, ça va être, j'en conviens, ce sera un sacré défi. En tout cas, moi, le bouquin, je le lis, hein. S'il existe. Oui, moi aussi, et je serais curieux de savoir le type d'histoire qu'on peut raconter, le type de protagoniste qu'on peut trouver. Ça serait super intéressant, à mon avis. Le type d'enjeu aussi. Moi, ça m'intéresse aussi beaucoup, ce sujet, parce que c'est un sujet que je suis en train de traiter actuellement, mais avec le fantastique et pas la science-fiction, pour un appel à texte qui vient d'être lancé par les éditions du Grimoire. Et qui s'intitule « Désastres humains », donc en trois mots, « Désastres humains », mais qu'on peut lire aussi, comme on l'entend, en deux mots, « Désastres humains ». Et donc, bon, je ne vais pas trop en dire non plus, mais c'était aussi ce côté, ben, qu'est-ce que ça pourrait être un être qui serait pris entre les deux, c'est-à-dire dans la nature, qui essaierait de choisir entre nature et culture, et qui au final se rendrait compte, bah, que les deux ensemble, ça peut le faire, sur le même modèle que les aborigènes dans la cinquième tête de Cerbère, de Gene Wolfe, qui sont des animaux, mais qui en fait peuvent prendre toutes les formes possibles, y compris celles des humains, mais qui restent quand même extrêmement accrochés à leur première nature animale, et donc qui sont un peu dans cet entre-deux, entre eux, on essaie de les civiliser à tout prix, quitte à les exterminer, et mais ils restent quand même profondément ancrés dans la nature, ce qui fait que l'une des novellas de la cinquième tête de Cerbère, celle qui est au centre et qui parle du peuple libre, ou des aborigènes, en fait, comme les appellent les colons français qui viennent envahir leur planète, qui est en fait extrêmement difficile à lire, parce que Gene Wolfe a essayé de se mettre dans la tête de ces créatures qui sont capables de voyager entre les règnes, et donc qui ne sont pas pris dans cette dichotomie, comme nous, de couper la nature et la civilisation. Ouais, c'est intéressant. Finalement, et donc, qui est alors la cinquième tête de Cerbère, c'est plus science-fiction, mais il y a quand même un côté atmosphère fantastique ou même fantasy, parce que c'est des créatures qui ont des noms de peuples, un peu comme dans les grands romans de fantasy ou dans Seigneur des Anneaux, des noms de peuplades qui sont pas du tout ceux qu'on aurait l'habitude de donner. Donc oui, désolé Benjamin, je vous ai interrompu. Non, il n'y a aucun souci. J'allais dire que c'était super intéressant, que j'allais rajouter ça à ma pile à lire. On peut toujours échanger nos références pour partir pour un été de lecture, hein, parce que ouais. Je crois qu'on aura du temps pour lire cet été. Ouais. Moi, à la fin de la conférence, en tout cas, j'ai un stand virtuel sur Discord, donc je sais que je mettrai les liens dont j'ai parlé là-dessus. Ben, ça sera avec beaucoup de plaisir qu'on ira le voir. Et puisqu'on a parlé du fantastique, on peut peut-être continuer sur là-dessus. Est-ce que la place que la nature a dans le fantastique par rapport à ce qu'on trouve ou pas dans la SF, vous pourriez en parler, surtout vous qui écrivez du fantastique? Alors moi, je suis plus fantasy, j'avoue. Fantasy aussi, elle a sa place dans... Alors, c'est vrai que dans la fantasy, ça dépend comment vous l'abordez. Moi, je l'aborde comme une reconstruction ou un jeu, une sorte de fantasme d'éléments historiques. Sans que ce soit du tout un roman historique, etc., mais on va retrouver plein d'éléments plus ou moins inspirés du passé. Et c'est vrai que les rapports,
les gens qui nous ont précédés, notamment les gens avant la révolution industrielle, qui a un rapport qui n'a rien à voir. Sans compter les gens qui ne sont pas européens, évidemment. Si vous prenez ce qui se passait par la forêt, par exemple, pour les Romains, ou pour les gens de l'époque médiévale, etc., c'est un rapport qu'aujourd'hui on n'a plus du tout, et qui est d'ailleurs assez difficile à comprendre. C'est une sorte d'univers parallèle, parfois, pour eux. Moi, je trouve ça assez fascinant, parce que, évidemment, la magie, etc., n'existait pas forcément, sauf dans leur mythe. Mais j'aime beaucoup me dire que ça aurait pu être réel. C'est vraiment quelque chose de... Et de pousser la logique jusqu'au bout. Voilà. Et puis, ils ont des mythologies autour de la nature qui sont fabuleuses, celles des Scandinaves, notamment, avec cet arbre, ces différents mondes en strates, ce genre de choses. Ça me fait un peu comme farfelu, mais il faut penser qu'ils avaient très probablement... C'était leur quotidien. Moi, je trouve ça assez fascinant, en fait. Donc voilà, pour moi, c'est un terrain de jeu gigantesque et je trouve que c'est un moyen d'exploration. D'ailleurs, juste pour revenir deux secondes à la science-fiction, il y a un truc que je trouve intéressant, c'est que la science-fiction, c'est aussi un moyen d'explorer la nature. Pas simplement de se poser des questions, mais de la faire apparaître, parce que les gens ne la connaissent pas. Et alors moi, récemment, j'ai lu le dernier livre qui m'a beaucoup marqué, c'est un livre de Tchaïkovski qui s'appelle « Dans la toile du temps ». Il imagine une civilisation à base d'araignées, et je m'arrête là, parce qu'il ne faut pas trop voler. Et j'ai découvert des trucs fabuleux, comme en lisant les fourmis de Werner. Les fourmis ont plein de choses qu'on ne soupçonnerait pas. Et moi, je trouve que c'est un outil d'exploration. Et pour revenir à la fantaisie, c'est aussi un outil d'exploration pour le moment pour faire comprendre certaines choses sur des mentalités passées ou des pratiques. C'est tout ça, évidemment, avec cette contrainte dont on parlait tout à l'heure avec Stéphane, qu'il faut raconter une histoire quand même qui tienne le cœur en haleine et que ce soit pas simplement un essai, quoi. Pour le fantastique, on rejoint aussi cette idée avec la forêt, parce qu'en fantastique, ce qu'il va falloir voir, c'est déterminer où on se situe. Parce que le fantastique, il se situe à la frontière entre la réalité, c'est-à-dire notre nature bien connue, avec les règles qu'on a déjà eu l'habitude d'explorer, et le monde surnaturel, le monde des marges, donc qui va beaucoup être figuré à travers la forêt. Et la deuxième chose, c'est que le fantastique, il exploite aussi énormément le registre de la peur. Donc, la nature, la forêt, elle va aussi être extrêmement agressive dans les récits fantastiques, qu'elle soit le repère par excellence de la sorcière ou des créatures. C'est un exemple que tout le monde connaît, Harry Potter et la forêt maudite de Poudlard. On se demande vraiment pourquoi dans une école aussi sécurisée, il y a une forêt aussi dangereuse juste à côté. Mais c'est ça, en fait, basiquement. Que ce soit la nature elle-même qui soit agressive, toujours dans Harry Potter, le sol cogneur, mais chez Stephen King, on a les hautes herbes, qui vient d'être adapté justement en film. Et où on peut voir que quand on s'enfonce dans les champs de hautes herbes, l'espace-temps se modifie complètement jusqu'à nous avaler et nous perdre. Et moi-même, dans ma propre écriture, j'ai exploité la nature qui va en fait même envahir l'individu. C'est la nouvelle manuel d'anthropologie botanique qui est publiée dans l'anthologie Folie et Absinthe chez Noir d'Absinthe, et où j'ai imaginé qu'une femme se réveillait un matin avec un plant d'absinthe qui lui poussait dans le ventre. Et donc, la nature qui vient même jusqu'au sein de l'être humain, d'abord perçu comme un parasite gênant et à enlever. Donc, un peu comme cette idée de « je suis un être de culture civilisée, je ne veux pas de ce sauvage, de cette nature près de moi. » Et puis, qui petit à petit va changer son rapport avec cette plante et ne plus la voir comme un parasite, mais comme un symbiote. En fait. On va vivre avec tout ce que ça peut entraîner de complications, de dérives, mais aussi d'avantages en fait, d'avoir cette plante avec elle. Bien, finalement, on rejoint un peu ce que disait Stéphane, c'est que je ne sais plus qui parlait de côté prométhéen, mais même dans les littératures de fantasy ou de fantastique, j'ai l'impression qu'on met l'homme à part. Ce qui, on sait maintenant quand même grâce à la science que l'homme il n'est pas si à part que ça, qu'il fait partie de tout, mais c'est très compliqué de continuer à se réfléchir comme étant à part de la nature ou contre la nature ou
ou séparé de la nature, ou en tout cas pouvant la dominer, ou ce genre de choses. Et c'est vrai qu'il y aurait peut-être un progrès à faire dans la littérature de fantasy ou de science-fiction, pour se penser un peu plus en inclusion, ou essayer de changer de point de vue. Je ne sais pas si c'est possible, d'ailleurs, c'est assez étonnant. C'est bien de le tenter en fait. Hein. Moi je pense que l'imagination, on peut pousser jusqu'au bout la tentative et les expérimentations. Et ce qui est intéressant avec le fantastique, c'est que la nature va être au prime abord agressive, mais ensuite, après son voyage donc dans cette forêt, dans le monde des marches, le personnage va être amené à redéfinir les règles qu'il pensait être celles qui régissaient le monde. Et donc, ça va souvent être assez catastrophique et dur, et il va vivre ça comme un traumatisme, mais parfois ça peut être bénéfique en fait de repenser son rapport au monde après ce choc un peu agressif. Je sais pas, Yannick, ou moi je peux prolonger, mais peut-être que Yannick. Stéphane. Je veux bien plus d'ensemble de questions parce que je ne suis pas un grand lecteur. On n'entend pas très bien Yannick. Oui, on n'entend pas. Peut-être. Bon, je prends le sceptre de la parole, alors 5 voilà, secondes. Stéphane, de temps que Yannick revient. Voilà. Alors, donc, oui, la nature dans le fantastique. Benjamin, oui, c'est intéressant, c'est juste. Peut-être qu'on aurait dû commencer par là. On n'est pas en prise directe avec la nature. C'est toujours une construction. Enfin, on l'aperçoit à travers des symboles, à travers des récits, à travers des concepts. C'est vrai. On n'est jamais en prise directe avec la nature. Et donc la science-fiction, mais comme la religion, comme les mythes, comme ce sont des schèmes, hein, ou des schémas de construction qui nous permettent de la faire parler, de lui donner sens. Ça, c'est intéressant. Et de ce point de vue-là, finalement, le fantastique ou la SF prolonge ce qu'on fait depuis que l'homme a la sensation d'être en face de la nature. Donc ça c'est juste. Je trouve ça assez intéressant. Alors, pour le fantastique plus spécifiquement, je parlais de d'Anna Starobinets tout à l'heure pour son roman Le Vivant, mais elle a fait aussi un recueil de nouvelles. Je note. Qui s'intitule Je suis la reine. Et il faut lire ça. Oui, alors, c'est ça. Pour les amateurs de fantastique. Alors là, la nature, c'est le corps. Il y a énormément de nouvelles qui tournent autour de la question du corps, notre corps. Et là aussi, Benjamin, je te rejoins. C'est intéressant. C'est une exploration de la nature. D'une certaine façon. Hein, d'une certaine façon, à travers la difformité, la mort, le thème de l'autre, la présence du corps, enfin c'est vraiment intéressant. Donc en fantastique, je trouve que c'est vraiment pas mal. Voilà, qu'est-ce que je peux ajouter sur le fantastique? La communication animal-humain aussi dans le même recueil avec la nouvelle Je suis la reine, ou je sais plus comment ça s'appelle, la très courte nouvelle au milieu sur le narrateur qui accueille une espèce de chose, on ne sait pas trop ce que c'est, dans son frigo, ouais. Il l'a fait pousser, ouais, et puis ça envahit tout. Ouais. Alors, un texte remarquable, oui. Ouais. Absolument, oui. Oui, non, sinon, de toute façon, oui, l'exploration de la nature, bon, et là, ça peut rejoindre ce qu'on disait de la relation entre SF et nature, l'auteur de tous les autres, c'est lui-même. C'est que la grande créativité qui va produire des formes, elle va prendre des chemins, des choses totalement inattendues. Donc bon, on a un champ d'inspiration immense avec, ouais, avec film, la nature elle-même finalement. Oui. Mais cette idée du corps dans le fantastique, c'est vrai que c'est un aspect qui peut aller jusqu'à l'épouvante. C'est la nature finalement qui vous envahit, alors que dans la SF, c'est plutôt l'inverse finalement qui se produit. Ça dépend, hein, je pense. Ça dépend des récits de science-fiction. On fait des mauvaises rencontres avec des natures étrangères.
Mais ce qui est intéressant, c'est le parcours que font les protagonistes pour essayer, alors je ne parle pas des livres très axés autour du divertissement, qui sont très bien, mais des livres qui essayent de se dire bon, bah, comment je vais m'adapter à mon nouvel environnement, qui est bien souvent d'ailleurs un environnement un peu fantasmé de ce qui nous arrive. C'est vrai que c'est hyper intéressant de voir ça. La littérature française, je vais en lire un peu plus du coup, mais moi j'étais resté sur des livres assez. Ancien, assez classique, je pense. Je me remets au jour. On a des tableaux sur le fantastique là, pendant le festival, justement, pour voir son renouvellement aussi, ses nouvelles thématiques. Yannick, peut-être reprendre la parole, je ne sais pas si ça marche mieux. Alors, la question que j'essayais de poser tout à l'heure, c'est sur la dimension magique et surnaturelle. Et je me demandais justement si le fait de passer par un prisme magique ne permettait pas de réintroduire une forme de rapport différent avec les éléments naturels. Un des intérêts de la fantaisie ou du fantastique, c'est de casser ce qu'on disait tout à l'heure sur l'aspect prométhéen. C'est voilà, de réintroduire une forme de rapport moins du type de l'ingénieur, moins rationnel, moins pensé. Pour le coup, voilà, il y a une autre manière d'appréhender la nature ou ce qui fait l'environnement. Et la version la plus extrême à laquelle je pensais, c'était aussi Lovecraft. Pour le coup, là, on a une forme de réintroduction par l'horreur de la nature dans son versant complètement immaîtrisable et qui, pour le coup, revient dominer, qui potentiellement pourrait dominer les humains. Et la prétention... dominatrice des humains. Enfin, la force de Lovecraft, c'est d'inverser, c'est de remettre l'humain dans sa petitesse et de montrer qu'il y a des forces extérieures qui sont capables de... Ah. De vous écraser, je pense. Oui, enfin, même d'écraser. Du coup, oui, ça... Moi, ça me faisait penser à tous les récits autour des sorcières, justement, puisque c'est celles qui utilisent la magie, notamment la magie de la nature... Le plus souvent, et donc comme on disait, les autres, en fait, souvent c'est évoqué sur le registre de la peur, puisque comme on est dans cette dichotomie civilisation, monde des marges, monde de la forêt, la sorcière est rejetée hors du village, toujours dans la forêt, elle fait peur, on hésite plus ou moins à la voir, on a ce rapport un peu ambigu, c'est-à-dire que c'est souvent une guérisseuse, donc beaucoup de femmes vont la voir, des airs pour la fertilité, pour les maladies, mais on a ce côté, on évite de la remercier ou de trop avoir contact avec elle, de peur que cette nature un peu sauvage et étrange qu'on n'arrive pas à maîtriser nous envahisse. Et donc il y a possibilité dans le fantastique d'avoir les différents points de vue, c'est-à-dire celui extérieur de personnages qui vont essayer d'aller vers la sorcière et de voir à quel point, plutôt qu'un être effrayant, elle peut devenir une protectrice. C'est le cas dans une nouvelle récemment que je viens de lire dans Nuit de Bretagne aux éditions Luciférine sur Naya la sorcière, qui est une sorcière bretonne qui a été élevée au rang de protectrice en fait parce que elle avait ce statut un peu de rebouteuse du village, et donc plutôt qu'une figure effrayante, elle est devenue une figure protectrice. Ou même les récits qui mettent en scène la sorcière, qui prennent son point de vue et qui voit à quel point elle peut être rejetée pour des raisons aussi futiles que de faire des baumes avec les herbes. Et puis, ça dégénère très vite. Voilà, donc, oui, ce côté en retour à la magie que la sorcière permet, en fait, pour repenser le rapport à la nature et pour nous. Pour tous ceux qui n'ont pas ce rapport, essayer de le voir autrement. Moi, je trouve que quand même, il y a un travers de la fantaisie. Enfin, c'est pas un travers. Moi, j'aime beaucoup cette littérature, mais si je prends quelqu'un comme Sanderson, par exemple, je trouve qu'en fait, il reproduit quand même ce côté ingénieur ou mécanique de la magie. C'est-à-dire que c'est pas la magie dont on est en train de parler. Il est en train d'imaginer des mécanismes qui font penser, c'est rationnel, quasiment, c'est explicable. Et la magie devient, en fait, une super arme ou un super truc. Et je trouve qu'effectivement, l'irrationnel d'un Lovecraft, c'est lié au personnage, je pense. C'est intéressant, et je pense qu'on n'utilise pas assez dans la fantasy ce côté
anti-scientifique finalement, ou à côté, ou en marge, ou et qui permettrait peut-être d'être un vecteur effectivement pour aller découvrir quelque chose à l'extérieur du monde humain, bien organisé, civilisé, etc. Je trouve qu'on ne fait pas assez. C'est une idée que je garde en tête. Donc, merci, Yann. Mais en fait, si on pourrait se poser comme question aussi, là, en vous écoutant, on a parlé de terraformation. La fantaisie et puis le fantastique, c'est une sorte de retour aux sources d'une nature animée, je dirais. Il y a donc beaucoup de cultures actuellement qui... Enfin, personnellement, je viens d'un pays où les djinns, c'est pas juste des images, hein, c'est vraiment le monde invisible dans lequel on habite et qui interagit avec nous. Mais est-ce qu'on peut imaginer qu'en terraformant, on ne fasse pas qu'être ingénieur, replanter des arbres, etc., mais qu'on repeuple, qu'on anime cette nature qui est, bah, je ne sais pas, Titan, les astéroïdes, Mars. C'est une idée de roman, ça, quand même. Ça peut être une idée de roman. Je ne sais pas si vous... On pourrait terminer sur ça, si vous avez une idée comme ça pour... Moi, oui, de mon côté, ça me fait penser au voyage que j'ai fait du côté du fantastique japonais, qui n'est pas du tout le même que le fantastique français, parce que j'ai eu l'occasion, aux éditions Luciférine, de publier une nouvelle dans l'anthologie Démons japonais. Et donc, le principe, c'était de reprendre une créature du folklore japonais, donc un yokai, et de le mettre en scène dans une histoire originale, à la fois pour faire découvrir ce folklore et puis aussi pour... voir ce que pouvait donner la confrontation de nos deux univers. Et c'est vrai que les Japonais ont ce rapport avec la nature et notamment le côté animiste qu'ils ont de cette vision de la nature qui est peuplée d'esprits. Tout objet, tout arbre, n'importe quelle pierre est doté d'un esprit. Et donc, il y a ces créatures qui vivent en fait avec eux. Et donc, dans les nouvelles, dès qu'on part dans la nature, se promener en forêt, on a le risque d'en croiser une. Et ce n'est pas forcément quelque chose de maléfique. Ça peut l'être, hein, parce qu'il y a beaucoup de démons, en fait, des histoires d'enlèvement, de disparition mystérieuse. Mais il y a aussi des yokai plus facétieux, comme les tanuki, qui sont des espèces de petits blaireaux qui peuvent se transformer en n'importe quoi et qui jouent des tours aux humains. Et donc, quelque chose de plus amusant. Donc, oui, il y a ce rapport beaucoup plus proche de la nature et qui donne un fantastique peut-être plus trouble avec vraiment, comme je disais, ce registre de la peur qui s'incarne dans des petits détails, comme des brins d'herbe, une tasse qui va être ébréchée, quelque chose de très, très minimaliste. Benjamin, non? Non, mais alors, moi j'aime beaucoup les yokai. Ah. Je suis assez d'accord. Moi, enfin, il y a un rapport, c'est ce qu'on se disait. Il y a plein de cultures humaines. Et... C'est vrai que la science-fiction est quand même très européenne, bien qu'il y ait, par exemple, des avancées ailleurs avec la science-fiction chinoise ou africaine au sens large, qui ne veut pas dire grand-chose. On dirait nigériane. Oui. Et c'est vrai qu'on pourrait aussi aller pêcher là-bas de nouvelles idées pour nos histoires, ou essayer, un peu comme les ethnologues, hein, finalement, d'essayer de s'imprégner d'autres rapports à la nature, et d'autres manières de faire ou de raconter des récits autour de la nature. Même si c'est pas très intéressant de porter ses propres idées, je trouve ça assez intéressant. Alors, c'est vrai que dans mes livres, j'essaye de le faire, notamment dans les mystères de pioche, parce que fondamentalement, je vais pêcher à droite à gauche, mais c'est un point de vue intéressant. Et c'est vrai que les Japonais peuvent en connaître quelque chose. C'est assez marrant, ils sont assez animistes, mais vraiment au sens propre du terme. C'est assez curieux pour nous, d'ailleurs. Oui, ma nouvelle s'appelle... Pardon. Moi, je voulais donner la parole à Stéphane, parce qu'on est en train de boucler la... Audrey, je laisse Audrey terminer. Je disais, ma nouvelle s'appelle la pêche à la carpe et il est vraiment question justement de pêcher un poisson esprit justement, puisque il y a une croyance selon laquelle ce type de poisson qui aurait un trait blanc sur le dos et qui serait juste tout seul dans une mare serait un poisson serait des esprits
en fait, qui se serait réincarné en poisson. Et les personnages de ma nouvelle cherchent à le pêcher. Et il y a un côté justement transgressif, en fait, puisque ce qu'ils pêchent, ce n'est pas juste un animal qui souhaite manger, c'est un esprit, en fait. Donc, il y a ce côté, le sortir de son milieu. Et dans la nouvelle, il y a ce trouble de est-ce que c'est une transgression, est-ce qu'ils sont à la fin punis pour ça, ou au final, est-ce que c'était qu'un immense délire. Et j'ai joué justement sur ce côté trouble du fantastique japonais que j'aime beaucoup, parce que on n'a pas du tout cette atmosphère-là dans le fantastique est très atmosphérique au Japon et très différent de ce qu'on peut avoir en Occident. Yannick, peut-être pour clôturer notre réunion, notre rencontre. Oui, enfin terminer avec peut-être faire la boucle. Les dernières discussions qu'on avait me faisaient penser à un roman qui s'appelle Ventus de Karl Schroeder. Pour le coup, on a une forme de mise en scène et de métaphorisation de l'affrontement entre la rationalité technicienne des humains, puisque le roman décrit une tentative de terraformation également. Mais sauf que cette terraformation va être confrontée à des forces naturelles de la planète en question, celle des vents en l'occurrence. Et là, pour le coup, on a un mélange entre le côté hyper technique d'une civilisation qui arrive avec sa prétention transformatrice, et puis une forme de résistance de l'environnement local qui, pour le coup, a un côté magique. Et le roman est avec ses défauts, hein. Il y a quelques défauts, le roman, mais il est une belle mise en scène de de la discussion qu'on a eue les formes de résistance que peut avoir la nature face aux incursions humaines qui sont fortement transformatrices, comme on sait. Voilà, on a terminé. On n'a pas eu trop de problèmes techniques, donc je vous remercie beaucoup d'être présent. Donc, Audrey, vous avez un salon sur Discord. Oui, sur le Discord. Donc, oui, sur le Discord de Nice Fiction, en fait, il y a un stand en fait virtuel à mon nom où on peut. Alors, je suis la seule à pouvoir poster dans le channel information, mais si vous souhaitez, il y a le channel discussion où tout le monde peut interagir et poster. Donc. D'accord, ça permet de continuer sur la littérature. Et puis, j'espère qu'on se reverra en vrai à Nice l'année prochaine. Mais carrément. je l'espère aussi. Et puis, je vous dis au revoir et puis bonne continuation sur le festival. Merci beaucoup. Merci. Au revoir, merci beaucoup. Cette table ronde vient de se terminer, mais le festival continue tout le week-end. Le programme complet est disponible sur nice-fiction.fr. Les stands vous attendent sur notre serveur Discord. Pensez également à visiter nos expositions 3D et n'hésitez pas à intervenir dans le chat des conférences et tables rondes si vous avez des questions.